Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, comme indiqué, une fois que vous avez créé votre site via la plateforme WordPress, maintenant pour se connecter sur votre site, vous allez sur l'adresse www.wordpress.com. Donc, automatiquement, vous accédez à cette page-là et vous avez là, vers le haut, vous avez le bouton se connecter. Alors, commencer ou se connecter. Donc, on a déjà un compte, on va se connecter. Donc, là, il nous demande notre identifiant. Continue. Notre mot de passe, nous l'avons, et on se connecte. Voilà. Donc, une fois connecté, voilà, nous sommes sur l'interface de WordPress. Donc, ici, les éléments que vous avez ici, ce sont un peu l'ensemble des utilisateurs WordPress qui vont publier des informations au niveau de la plateforme WordPress. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la rubrique Mes sites. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez cliquer sur Mes sites. Donc, lorsque vous cliquez sur Mes sites, donc vous allez trouver ici le site que vous avez créé et l'adresse. Donc, l'adresse, elle est là. Les astuces du net, par exemple, moi, mon adresse est lesastucesdunet.wordpress.com. Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, une fois que vous avez là, maintenant, vous êtes dans votre site. Ensuite, vous avez les différents éléments de votre site. Les outils, gérer, plans, statistiques. Par exemple, lorsque je clique sur statistiques, j'ai les statistiques de connexion de mon site. Donc là, je vois qu'il n'y a pas, il y a personne s'est connecté sur le site. Donc, vous avez la rubrique site ici. Et dans la rubrique site, vous avez les différentes options. Donc, pages, les différentes pages qui vont être créées, posts, les différents articles, ainsi de suite. Donc, vous ici, pour créer un article, il faut cliquer dans la rubrique site. Donc, nous sommes là dans la rubrique site. Et ensuite, on va cliquer sur poste des postes. Ou que ça, dans certains cas, vous aurez des articles. Alors, lorsque je clique sur poste, donc là, automatiquement, il m'amène dans la rubrique poste. Donc là, maintenant, j'ai l'ensemble de mes articles que j'ai écrits dans mon site. Donc là, vous avez les articles qui sont là. Et si je veux créer un nouvel article, je fais ajouter un nouveau message. Ceci. Voilà. Et là, maintenant, j'ai le titre de mon article. Je vais mettre bonjour, mon article. Ici, je mettrai mon texte. Donc, je vais mettre un peu n'importe quoi pour que vous puissiez voir. Voilà. Ensuite, maintenant, je peux décider de mettre une image. Donc, vous avez vu, image sélectionnée, je peux choisir une image. Ou je peux décider de la publier directement sur mon site. Donc, dans ce cas-là, je fais programme, public, programme, et je publie. Donc là, automatiquement, il me dit publication prévue à dans 44. Donc, alors, on peut changer l'heure parce qu'il y a une heure en fait. Donc j'enlève l'heure, voilà. On a dit 9h44, voilà. Donc une fois que l'élément a été publié, je peux faire aperçu pour voir le résultat sur le site. Donc voilà un peu ce que vous avez sur le site. Donc vous avez bonjour, le titre, là vous avez ce que l'on appelle le contenu de l'article. Ensuite, vous fermez. Là également, vous cliquez sur fermer et automatiquement, vous avez accès à l'ensemble des articles que vous avez écrits. Donc, vous avez vu, là, c'est les articles que j'ai écrits. Donc, là, ça me fait un récap de nombre d'articles publiés, de nombre de brouillons, donc les brouillons qui sont dans mon site. Donc, ces brouillons-là ne sont pas affichés sur le site. Vous avez également les éléments programmés. Donc, si j'ai la possibilité d'écrire des articles et de dire la date et le jour de publication. Et ensuite, j'ai d'autres options, donc telles que l'article, les différents articles que j'ai ici. Donc, ensuite, une fois que j'ai fini le travail pour me déconnecter, voilà, je clique sur l'élément de profil et là, j'ai le bouton se déconnecter. Donc, lorsque je clique sur se déconnecter, automatiquement, je reviens sur le site de départ. Donc, nous ici, la première chose que nous allons voir, c'est déjà comment accéder à l'interface. Donc, en cliquant sur le bouton connexion, mais également en mettant en place aussi des
les articles. Donc, comment écrire un article, comment ajouter un article, comment faire en sorte qu'un article soit animé. On le verra plus en détail lors de la visioconférence. Merci.